L'année sol du Fox Novembre Alpha, prêt à rouler. Fox Novembre Alpha, roulez point d'attente piste 26 dur, rappelez prêt. Je roule le point d'attente 26 dur, je rappelle prêt, Novembre Alpha. Alors, on libère. Les deux freins fonctionnent. Les commandes à gauche. Et la droite. Alors, virage à droite, les caps augmentent, la bille part gentiment à gauche, et même franchement à gauche, l'horizon est stable. Et je fais un deuxième essai de frein. Bien. Virage à gauche, les caps diminuent, bille à droite, horizon stable. Ouais, donc cet été, en fait, finalement, les calculs de perf, bien attention est bien pris, hein, parce que oui. On était sur des températures qui avoisinaient souvent les 30 degrés. Et, voilà, quoi. Il y a un élève qui a vécu une expérience intéressante. Il avait simplement travaillé un peu avant ou posé 2-3 questions avant son vol, il n'aurait pas vécu. Mais maintenant qu'il l'a vécu, ça rappellera, il a fait un très long vol sur le sud de la France et il est monté en niveau de vol avec, je ne sais plus quel avion, celui-là ou... Ouais. Le robot Delta, je me souviens, enfin 120 chevaux. Tango Oscar Charlie, bonjour. Donc Oscar Charlie, il me dit, je comprends pas, au niveau 85, je me traînais, j'avais une assiette positive. Information bravo, ce serait pour une navigation à destination de Soissons. On souhaiterait rouler au point d'attente. Quelle puissance avais-tu, quoi? Ouais. Donc, Charlotte, comme d'habitude, les paramètres de d'habitude, 2400 tours, 2450 tours, voilà. Il fait sortir le manuel de vol pour qu'ils s'aperçoivent que à cette altitude-là, pour avoir 75% de la puissance, il faut être à 2660 tours. Ah ouais, d'accord. Voilà. Effectivement. Donc quand on n'a pas l'habitude de voler haut, ben, le jour où on le fait, on le prépare. Quoi. Ouais. Donc en fait, il était à 55% de puissance, donc l'équivalent de vent arrière. Donc une assiette plus 2, 85 nœuds. D'accord. Ah ouais, fait. Alors, les essais moteurs. Ah, vous les donnez, le frein de parc. Je le serre, le sélecteur est toujours ouvert. Pression, vert, température arrive dans le vert. Température, pression d'essence, les commandes on les tient. Les pieds sont sur les freins, 1800. En 120 tours. Ouais, 100 tours. Ouais, 125, c'est ça. À peine 100 tours, 75, on va dire là. Charge alternateur, elle est dans le plus. Hop là. Ok, régime moteur. Alors, magnéto. En surbosse, hein. Batterie on, alternateur on. La charge. Ok, réchauffage. Carburateur. C'est. Mixturel est bien en haut. Le sélecteur d'essence est toujours ouvert. L'autonomie, donc on est sur 2 heures. L'altitude, elle est toujours ok. À droite. Et. Commande. Voilà, compensateur, bon, voilà, pompe sur on, un cran à droite, à gauche, et le volet, le voyant est ouvert, ceinture attachée, pression, température, là il a dépassé un tout petit peu, chaud,
Alors, briefing décollage, on est sur la 26. Obstacle Kilo, bonjour. On va chercher le damier qui est tout à fait à droite là-bas. Bravo, et on va demander une verticale 1400 pieds pour une sortie secteur sud-est pour vol d'instruction. Châtillon, sur tête. On va ouvrir ça. Obstacle Kilo, transpondeur 37-21, roulez point d'attente, piste 26 du rapé près. Test de rotation 54, montée initiale 70, normal 82. Fox, hôtel donc j'ai dit 1400 pieds, on va rechercher verticale 1400 pieds. Fox, Fox Indien, bonjour. Fox, Fox Indien, c'est 972 au parking Air France, cette information, bravo, une personne à bord pour rouler à l'essence. Pas de problème avant rotation. Fox, Fox Indien, roulez et quittez à l'étang pour faire le passage à 16-28 sur novembre pour le point d'attente. Après rotation. Je roule à l'essence, on va je faire un tour de piste donc 26 en revient se poser sur le durée superbe avec un pas de pas de au contrôle et en cas de panne majeure après la rotation, on rend la main 73-2 pour un atterrissage d'urgence secteur avant. Et on ira dire bonjour peut-être aux voitures. Pas beaucoup de vent aujourd'hui, on va pas du tout. Ça devrait être stable. Ouais, on va être tranquille, on va tester ces derniers temps, ça nous a rendu la vie un peu secoué. Bon, ça va changer. Enfin, je dirais aujourd'hui, on va se secouer nous-mêmes, finalement. Gentiment, mais sûrement. Non, je vois rien d'autre. Ok, moi je n'ai pas de questions particulières. Pas de questions particulières, donc on est prêt. Le sol de Fox Novembre Alpha, point d'attente 28 dur, je suis prêt. Fox Novembre Alpha, maintenant avant point d'attente, veillez la tour 118 décimal 6. Je maintiens avant le point d'attente, je veille 118 décimal 6, Fox Novembre Alpha. T'es arrivé ou t'as dit 28? Ah bon, moi j'ai dit 28. Je sais pas, j'ai eu l'impression d'avoir 28. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir dit 26. Quoiqu'une fois j'avais sorti un autre truc, c'est pareil. Fox et les forces de loup en voie arrière pour la 26 gazonnée, ça sera un complet. Choquant, ouais. Fox uniforme Zulu, reçu numéro 1, rappelé final piste 26 gazonné. Fox uniforme Zulu, je rappelle final 26 gazonné. Fox novembre Alpha, long tour, bonjour, alignez-vous piste 26 dur, autorisé décollage, vent 270 degrés de nœud. Bonjour, je m'aligne 26 dur, autorisé décollage, Fox novembre Alpha. Voilà, ça c'est dans la c'est voiture. Pas, c'est ça la voiture, voilà. C'est la connerie du jour. Ouais. Toujours qu'il y a une connerie du jour, l'autre fois j'estime que c'est tout un truc à deux vannes. Ça serait pas drôle sinon. Ouais. Alors. Donc on est aligné. Là. Et le tour Fox Mike Victor, on s'approche du point de cause, ça sera pour des TTU 26. Allez, allons au plancher. Puissance 2100. Approche directe, piste 26 dur, numéro 1. Vent légèrement de face, 2200 affiché, 35 de badass. Fox, Mike Victor, est-ce qu'on peut se présenter vertical terrain 1500 et intégration en milieu de vent arrière pour la TTU? Affirme Fox, Mike Victor, rappelé vertical 1500 pieds. On rappelle vertical 1500 pieds, Fox. Voilà, 70, montée initiale. On est parti et il est remarqué, il y aura 42. Oui. Mais pas de navigation, hein. Non. Mais bon. Je reviens de le savoir. Fox uniforme Zulu, piste 26 dur, autorisé atterrissage en 230 degrés 3 nœuds. Fox uniforme Zulu, autorisé atterrissage 26 gazonné. Fox Oscar Sierra en milieu de vent arrière 1200 pieds pour un toucher sur la 26 gazonné. Ah, tu vois, là, là. Numéro 2, trafic précédent, Cessna, final, rappelé, final. Désolé, pas de réchauffe. Numéro regarde 2, la compensation instinctive, je l'ai mis, tu vois. C'est 5, ouais, voilà. Allez, on est 80, et on a le dernier, voilà. Fox Oscar Charlie, le New Tour, bonjour, alignez-vous piste 26 dur, autorisé décollage, vent 220 degrés 3 9. Fox Oscar Charlie, je m'aligne, je décolle piste 26 dur. Dans le tour du Fox Novembre Alpha pour une verticale 1400 pieds, sortie sud-est pour instruction. Fox X-ray Oscar, transpondeur 3731, je vous écoute. Transpondeur 3731, Fox X-ray Oscar, déviation de retour de local avec bravo à 2 minutes écho. X-ray Oscar, rappelle écho. Je rappelle écho, Fox X-ray Oscar. Dans le tour du Fox Novembre Alpha pour une sortie sud-est 1400 pieds, verticale 1.
Fox novembre Alpha, vertical approuvé, rappelé en sortie pour quitter. Vertical approuvé, je rappelle en sortie pour quitter, Fox novembre Alpha. Fox X-ray Oscar, dès maintenant, virage droite, entrée vent arrière, main droite, piste 26, rappelé vent arrière. Et un trafic Robin sur le bord vertical en sortie sud. Non, si j'en vois un là-bas, voilà, c'est celui-là. Voilà, 1400. Donc il va tourner sur notre gauche. Ouais, ça est visuel. Voilà. Ah, bien visuel. Et bah, glisse en vert, tout le terrain, il est en sortie. Fox Mike Victor, trafic Robin se reporte vertical 1500 pieds en sortie vers le sud en ouvrant à droite dès maintenant, rappelez vent arrière, main droite, piste 26. On vire par la droite, visuel sur le trafic qui quitte par le sud et rappelons vent arrière 26, Fox Mike Victor. Fox Novembre Alpha, visuel sur le trafic également. Aussi Novembre Alpha. Parfait. Ah, c'est inédit ça. On débute la PTU, Fox Mike Victor, sans montage. Fox Mike Victor, piste 26. Il y avait longtemps que j'avais pas vu de la brume. Autorisé toucher, vent 230 degrés. Fort modeste. Autorisé 26 heures, plan au final 26 heures, Fox Mike Victor. Fort modeste. Fox Oscar Sierra, au final, la piste 26 gazonnée pour un toucher. Fox Oscar Sierra, piste 26 gazonnée, autorisé toucher, vent 230 degrés, un nœud, un Cessna en PTU sur la dure. Retenu pour le Cessna, autorisé jaune, touché pour ouais, c'est bizarre, ça c'est la première fois que je vois ça passe un crado. Donc c'est Mathieu Victor, je confirme, piste 26 dure, autorisé toucher. Donc c'est deux jours qu'on voit un nœud, un Cessna touché, gazonné, tour de piste. C'est la première fois que je la vois d'aussi loin. On voit bien le nuage de fumée qui s'étale devant nous. Donc ça nous donne une idée de l'altitude à partir de laquelle il y a un peu de vent. Et c'est pas le cas à nos gens. Transpondeur 7000 quitté à plus tard. Effectivement. Novembre Alpha, transpondeur 7000, à tout à l'heure, au revoir. On a remis la gaz, Mike Victor, et pour nouvelle PTU. Voici Mike Victor, rappelez vent arrière avant de débuter. Rappelons vent arrière avant de débuter, Mike Victor. Fox Oscar Sierra, le trafic Cessna, montée initiale, dur tour de piste. Vu le trafic, le Cessna... Baisse un peu le son. Alors, deux types d'exercices qu'on va revoir. La panne moteur en campagne. Et l'interruption volontaire du vol. Alors, deux contextes différents. L'un pour lequel il faut agir très vite. Si on veut se donner un petit peu de temps, on peut débuter l'exercice à 2000-2005 plutôt que de le faire à ras du sol. Oui, c'est mieux. Mais bon, il faut savoir ici que en volant à 1500 pieds, si ça t'arrive, faut réagir plus vite. Et l'autre exercice, l'interruption volontaire du vol. Je rappelle qu'on a 10 minutes, hein, c'est un standard ça, 10 minutes pour être posé à partir du moment où on a pris la décision. Ouais. Voilà. Avec une stratégie en deux phases, même trois. Première phase c'est la recherche d'une zone favorable, ensuite au sein de la zone favorable la recherche d'une zone d'atterrissage. Ouais. Et enfin la vérification de la faisabilité et l'atterrissage en lui-même. Ouais. Donc dans la panne moteur en campagne, il y a évidemment toute la procédure de recherche de panne et l'alerte à faire. Ouais. Avec quand même un dogme qui est de piloter son avion jusqu'au bout. Donc recherche de la vitesse de planer, compensation de l'avion sur cette vitesse de finesse max. Choix rapide d'une zone d'atterrissage, alerte, transpondeur, radio, balise de détresse, information des passagers. T'as 30 secondes pour faire tout ça quoi. Voilà. À vite s'informer. Crac. Ouais, oui. Alors, tu veux qu'on aille voler vers où là? Bon bah écoute, oui voilà, là-bas il y a des champs, il n'y a pas trop d'habitation, voilà.
C'est vrai que l'air il est bien là, assez stable hein. Ça fait plaisir. Ben, on l'avait vu pour le vol de midi hein. Quand on est parti le matin c'était 10h, 10h30. Ça allait bien, on a volé 2500, tranquille, et le retour, ben déjà au décollage il faisait 33, et puis on s'est fait un peu, d'ailleurs il a fallu qu'on, ouais, même en étant monté, il y a des moments on se faisait un peu secouer. Donc Fontenay est là, le terrain est là-bas, tiens, je vois quelque chose là, ça doit être ça, c'est pas ça, c'est vraiment à côté. Mes derniers vols il y a 15 jours là il y avait un coup de vent là qui est arrivé le matin, c'était comme ça là, ça bougeait pas, premier vol ça bougeait pas, sauf que là t'avais marqué 27 nœuds dans un sens et 27 nœuds dans l'autre. Ouh la vache. Et ça bougeait pas. D'accord. Et j'ai fait des tours de piste en vent arrière, on était quasiment avec 20-25 degrés de dérive pour tenir au-dessus de l'autoroute. D'accord. La bonne trajectoire et bah, par contre l'après-midi c'est devenu turbulent et très difficile. Il y avait paradoxalement un tout petit peu moins de vent l'après-midi, mais c'était devenu tellement turbulent que c'était vraiment pénible. Vraiment pénible. Ah ouais, là ça fait super plaisir. Pilote automatique. Ouais. Alors, quand on a franchi cette route là, ouais. On peut monter à 2005, hein, si on va tout droit. Ouais. Et quand on y sera, bah on fera l'exercice de panne. D'accord. Bah, ce qui va nous amener devant nous là-bas, dans une zone après la dernière petite forêt. Là, et là où il y a le grand champ derrière là. Ouais, c'est ça. Ça nous permettra de travailler. Là. Ah si, là on voit bien le terrain là. Oui. Bon, donc on grimpe alors. Voilà. Allez, on est sur du 100, on va maintenir le 100. Il n'y avait vu personne devant. Ouais, 1000 pieds ça fait la différence hein. Ça m'épate toujours. Ça m'épate toujours. Quinterra en finale pour la 26 gazonnée pour un complet. Merci, je vois le terrain. Autorisé atterrissage, piste 26 gazonnée à Quinterra. L'œil de Fox Golf Zero Delta, rebonjour. Fox Romain Delta, un trafic. Dans vos ok, heures, palier, croisière, droite, 1400 pieds, on passe la forêt et on travaille. Voilà, t'as Coulommiers sur ta gauche, Fontenay Trésigny juste à droite, derrière à droite, une minute là. Et Nangis, il doit être juste à gauche, là-bas, peut-être dans les bosquets, je sais pas. Ouais, on distingue un hangar blanc très bas, en fait, c'est une ligne, Nangis. Ouais. Ouais. De toute façon, on a la ville qui est derrière, là, voilà. On dirait, donc le terrain, il doit être quelque part devant. Je vois les hangars, mais bon, j'ai l'habitude. D'accord. Ah ben. Bien.
Bien, bah écoute, voilà, donc, pour la sécurité, voilà. Perte de puissance brutale du moteur. Oui, les gaz, 8 ans. Des gouttes de pluie, donc. Ah ouais. Bon. Donc, vous l'intérêt de mettre un réchauffe. Ouais. Donc à ce moment-là, on va rechercher Bell 80, de toute façon on y va, on vérifie que ça c'est allumé, enfin c'est ouvert, on a la réchauffe, pardon, la mixture, je mets la pompe, j'ai les magnétos, a priori c'est pas bon, donc ça veut dire qu'en fait il y a un problème au niveau du moteur, ouais, j'ai remis les puissances, tout ça, donc ça fait rien du tout, donc à ce moment-là je pars sur une vitesse de planer, 73 on a dit. Alors là, je vais accélérer. On est 2300, on a perdu 100 pieds. 73 donc je préviens les passagers qu'on va devoir un peu se poser quelque part dans un champ sur la gauche ou sur la droite. Je préviens à la radio qu'on a BD, pas de moteur. On est secteur sud-est de Coulommiers, on est 2200 pieds, 32 personnes à bord et qu'on va chercher un champ pour se poser. On est à 73 mais j'ai pas compensé. Voilà. Évidemment, dans la procédure en réel, j'aurais coupé la pompe, fermé la mixture, le truc sera à zéro, et j'aurais coupé l'alternateur pour l'atterrissage. Enfin... Ah oui, et le transpondeur 7700. Oui, et t'as le droit de déclencher ta balise de détresse aussi. Hein. Ah, d'accord. Ah, oui, okay. Tu peux tout mettre. Hein. D'accord. Voilà. Bon, bon alors maintenant, on en est à essayer de trouver un terrain. Voilà. Sur la droite, ça a l'air d'être pas trop mal. Je vérifie une dernière fois sur la gauche parce que non, il y a beaucoup d'arbres. Sur la droite, il n'y en a pas tant que ça. Là, je vois parallèle à la route. Là, il y a quelque chose qui a l'air d'être bien long. Donc, ouais, ça paraît très bien. Puis derrière, il y a encore un champ. Alors, je vais viser celui-ci. On est 1700 pieds. Ah, le marron, là. Le marron, là, ouais. Peut-être un peu molle. Non, il y en a un autre derrière, mais de l'autre côté de la route. Les autres, c'est de la végétation basse. Ouais. Bon, celui-ci plaît plutôt bien. Okay. Donc là, on est dedans. 1500 pieds. 72 nœuds. Ça peut être maintenant le complet si tu l'as fait bien. Voilà, je vire. Un peu haut. Éloigne gentiment. La ville devant. Désolé, ma guidance. Tu vois qu'il y a une ligne. Ouais, je viens de voir qu'il y a une ligne de tension. Voilà. Enfin, une ligne électrique. Il fait. Il doit faire dans les 500 mètres celui-là. Donc je vais pas le prendre de trop près quand même, mais pas trop loin. Parce que je suis encore un peu haut, 1200 pieds. Alors on ouvre d'un cran là, en vue de pouvoir éjecter la verrière. Là on va commencer à tirer un petit peu, on va prendre la vitesse, c'est plus ça que ça. Donc là, en principe, j'imagine que je dirais que je vais me poser en urgence, sur, enfin que je vais me poser à côté de probablement la Nationale 4. Et on est dans le tour de piste de Fontenay, hein, tu sais. Hein. Ah, donc par contre, ça chasse. Avec ça ? Ah, quelque chose près. Hein. Alors là, je pense qu'on peut mettre un premier cran de volet, à 113 nœuds. Là, je suis au-dessus, 68 nœuds. Oh, alors tu vois, la ligne à haute tension, enfin la ligne électrique, pas haute tension, voilà. Moi j'aurais sorti les volets en étant sûr de l'avoir franchi, hein, vu la longueur qu'on a devant nous, quoi. D'accord. Ok. Ouais. Très bien, en tout cas on est sûr d'y être là, voilà. Allez. Ok. Pas encore. Ok, très bien. Ouvre à droite tout de suite, parce que sinon les bagnoles vont nous regarder faire, ils vont se... On est sur un cran de volet. On va faire un accident. Voilà. Okay. 70 nœuds, montée initiale. 500 pieds. Une fois encore la pompe. Vive la Seine-et-Marne, hein, pour ça. Hein. Ouais. Ah ben oui, là c'est sûr. Hein. Que... Voilà. Alors attention à ces lignes, ces petits poteaux qu'on a du mal à voir, ouais, et qu'on découvre tardivement. Ouais, hein. Finalement celui-là j'ai découvert seulement quand j'ai regardé, voilà, juste avant que tu le dises. En voilà. Là, on va partir, alors si le terrain est à gauche, on va partir à droite là. 70, oui, voilà, nœuds. Voilà. Va tout droit là dans, où il n'y a personne, là. Comme ça c'est bien, tu reprends de l'altitude tranquille. Bon, on a eu un bon champ au bon endroit au bon moment. Oui, voilà. Ouais.
Donc là, c'est bon, posé sans problème. Hein. Oui, là, on se posait sans problème. Ouais. Ouais. Pied, ouais, je crois qu'on devrait être bon là. Il ne pompe plus de volée, pas de réchauffe. Hein. Non. Ok, on va aller tout droit, on va se mettre au-dessus de la forêt qui est devant nous là-bas. Ouais. Il doit être plutôt à gauche là-bas. Oui, c'est en lisière de la grande forêt là-bas. Ouais. Ouais. C'est un peu loin. Parce qu'on allait en gare, c'est ceux qui sont avant Fontenay, donc ça c'est Fontenay. Effectivement, juste à côté, à l'est de Fontenay, il y a ces hangars là, donc le terrain il est sur la partie marronâtre que ça fait là. On va peut-être monter à 80. Ah oui, dis donc là, à 6. Ouais. Ouais, donc lundi dernier, ça a été le vol à navigation au-dessus de Fontainebleau, là. Donc avec mon père qui était là, et puis mon frère qui a fait les photos que je t'ai envoyées, là. Ouais, ouais, tout à fait. France, je me suis régalé, dis donc, le pilotage, là, enfin la navigation aérienne, finalement, au-dessus de Fontainebleau, je me suis éclaté. J'ai vu que tu avais photographié le, comment on appelle ça, là, le cul, ouais, du chien, là, c'est ça, non? Le cul du chien, ouais, le cul du chien. Enfin, c'est les sables du cul du chien. Les, ouais, sables du cul du chien, ouais. Avec l'information Bravo, pour regarder les installations. 1900. On rappelle, écho, transpondeur 37. Ouais, bah, monte pas plus haut, hein, ça suffit pour ça, okay, on va faire 2000, alors. Voilà, ouais. Donc là, notre route, voilà. Et puis Fontenay à gauche, là. Alors 2450. 90 nœuds, ouais. Ça pousse. Pareil, l'autre fois, en passant après Fontenay, je voulais leur montrer l'obélisque, tu sais. Ouais. Et puis, je m'attendais à le voir, je le vois pas. Je me dis, mince, bon, on a dû le louper, etc. À ce moment-là, je leur parle de Coulommiers, tu sais. Alors, évidemment, ça, je l'ai vu au montage. Et au moment où je leur parle de Coulommiers, qu'est-ce que je vois apparaître sur la caméra à droite? Il était 200 mètres en dessous, quoi. Enfin, 200 mètres en linéaire. Ouais, dans la zone un peu masquée. Voilà, c'est, ouais, ça, ouais. Parce que j'avais vu un truc auparavant, c'était une ouverture, mais c'était pas ça. Donc là, je me suis dit, bon, peut-être que je l'ai oublié. Tout d'un coup, je leur dis, bon, ben voilà, Coulommiers, c'est là-bas. Et là, bam, le truc, il passe. Va te mettre au-dessus de la forêt, au-dessus de l'obélisque, tiens, par exemple. Voilà, d'accord. Alors, j'allais dire, c'est Morcerf, non, puisqu'on est dans l'axe, c'est Villeneuve-le-Comte. Ah, de... non, non, ah non, ça c'est Morcerf. Villeneuve-le-Comte, c'est au bout là-bas. En face, là-bas. Ouais, ouais, au bout. Dans le prolongement de la route, en fait. Ouais, ouais. Bon, voilà. Bah, on va débuter l'exercice maintenant. Donc on se dit que la nuit aéronautique s'approche ou l'autonomie de l'avion ne nous permettra pas de rejoindre la destination. Ouais. Il n'y a aucun terrain de dégagement utilisable et donc il faut prévoir un atterrissage en campagne. D'accord. Voilà, donc la décision est prise. Il faut atterrir en campagne. Hein. Ok, bon alors on va essayer d'éviter d'aller par là puisque c'est urbain. Là il y a Coulommiers. Derrière on a à nouveau des terrains qui sont intéressants. Ah bah. Bon, bah, là, tiens, sinon là il y en a qui a l'air d'être bien grand là aussi. Et alors il est alors, ah, 02. 02, voilà. Ok. Donc il y a celui-ci. Là il y a des lignes haute tension pour le coup, les champs sont pas très grands. Là il y en a un beau qui a l'air d'être dans l'axe. Et tiens, celui juste derrière toi à droite, là, t'as vu. Et l'autre là-bas, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a la forêt de côté. Là ça me plaît pas trop, je préfère, non, non, je préfère celui qui est en dessous là. Faut que tu, soit tu descends à 1500, soit tu fais demi-tour. Donc là je vais descendre à 1500 par la droite en passant entre les deux villes. D'accord. Et je vais tomber sur le terrain comme une dent derrière. Dépêche-toi parce qu'il faut qu'on y soit à 1500 là. On est rentré et... Oui, crac.
la zone favorable, c'est tout ça. C'est tout ça, là. Okay, voilà. Avec bien. Le grand champ qu'on voit là, bien à droite, là, okay. En partant au-dessus de la forêt. Avec plein d'options possibles. Ouais. Ok. Donc là, j'ai positionné sur l'avant arrière, finalement, de celui-ci, là. On fait attention aux oreilles, 1500 pieds. On n'est pas embêté par le vent, hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça qui est bien. Ok. Donc là, je vais chercher du 82, en fait. Ouais. Bon, voilà, c'est en configuration machin. Avec la pompe. Verrouille bien ta réchauffe. Ouais. Sinon, elle se referme. Alors, le champ que j'ai vu, c'est celui qui était là, justement, ici, comme ça, là. Ah, ça y est. Ouais, ça me dit rien, là. Faut que tu me donnes une précision. Ouais. Alors, attends, bah, je vais être sûr déjà de le retrouver. D'accord. Voilà, 89. Je mets un cran de volée. On a la pompe, la réchauffe. Et sur l'avant arrière. Alors. En trip, c'est bien. Alors, est-ce que c'était celui-ci? Ouais, ça devait être celui-là, ouais, c'était ça. Donc on arrive ici, on est 1200 pieds. C'est un peu bas par rapport à une vente arrière, je dirais. Ah, c'est 1000 pieds sol, hein, de toute façon. 1000 pieds sol, alors, c'est pour ça qu'on est un peu bas. Ouais. Je pense. Alors il y a celui-ci qui est pas mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. On est à 15 secondes. Facile. Et donc celui-ci en termes de longueur il est bon. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait on ferait ça, on viendrait se positionner ici, on a un axe de route, on a le. Petit patelin là, ça fait un espèce de hameau, un gare. Ok. Donc là, je vais faire un virage. Et ben, je vais faire ma verticale terrain finalement. Et je vais me renclencher sur un tour de piste. Et me poser, trouver un peu la séparation horizontale. Ok. Là, donc ta décision est prise, tu as trouvé ton terrain. Ouais. C'est là que tu vas te poser. Ouais. D'accord. Ça me paraît bien. Ok. De longueur. Alors après, il y a les arbres. Donc faut faire attention, c'est pour ça que je vais viser plutôt à gauche. Ça peut être un peu court quand même. Il faut être très pointu sur le dans l'approche. On voit pas d'autres intéressants, on est dans l'axe des machins. Il y a l'autre là-bas, il serait intéressant en longueur, mais il y a la route en plein milieu, donc c'est pas une bonne idée évidemment. Allez, 1400 pieds, ça paraîtra peut-être bien là. Derrière, on a encore de la marge après un passage éventuellement sur le petit espèce de petite route que ça fait. C'est pas ce que c'est en fait, on dirait que c'est une espèce de route machin. Là-bas, c'est complètement minable, enfin c'est pas terrible. En termes de longueur, c'est dans tous les sens. On voit pas trop, sinon il y aura encore celui-ci. Ah ben si, tiens, il y a un autre candidat qui est bon là derrière. Ah oui, mais là maintenant... un peu tard là. Il va falloir que tu t'adaptes. Ouais, ça fait 5 minutes. 5 minutes. Ah non, là, on va dire que c'était bon là. Allez. Ok. Alors, on est sur du 86 nœuds, c'est un peu rapide, j'avais dit 1700. 700 c'est trop, 1300 ça me paraît bien. T'as pas un petit truc à faire là maintenant en plus? Un petit truc à faire? Ouais. Non, n'oublie pas de piloter ton avion pendant ce temps là. Hein. Ouais, tout à fait. Bon. Ben, j'ai prévenu la radio que j'allais me poser, oui. D'accord. T'as expliqué à tes passagers que... Oui. Voilà. Que tu savais le faire, que ces avions-là, ils sont conçus pour se poser dans l'herbe. Et pour se poser même très court, si on maîtrise bien la vitesse, c'est tout ça. Alors, pour être tranquille, ce que je vais faire même... Et tu as aussi la possibilité de mettre 7700, de mettre la balise, et tout comme une panne. Hein. D'accord. Okay. Même si c'est un atterrissage contrôlé, c'est quand même une urgence. D'accord. Donc, la vue d'ici, c'est impressionnant, on a l'impression qu'il est très court en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que... Ouais, non, je vais pas trop m'éloigner. On va voir si je vais mettre derrière le village. Oui, derrière le village, parce que c'est un exercice. Hein. Sinon, tu t'en fous. Hein. Ouais. Ah. Bah, disons, après, j'ai l'impression... J'ai peur d'être un peu court sur la... Ouais. Sur la base. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut s'imposer quelques contraintes. Ah oui, parce que là, on fait l'exercice. Parce qu'on fait l'exercice. Mais en réel... Si en réel, la contrainte de bruit n'a pas sa place. Oui, tout à fait, ouais. Donc là, je suis sur mon traversier. C'est pas compliqué. J'ai la route qui me sert d'axe. La route étant à ma gauche. Fox Québec 800, bonjour. Pardon, Québec 800, bonjour à vous. Et niveau 26,
Et je vois donc le point d'entrée de la piste là-bas. Ok, 300 pieds, 80 nœuds. Plusieurs personnes en évolution. Ouais, c'est un terrain peu fréquenté. Ouais. Je vois toujours l'entrée de piste. Voilà. Alors maintenant, on est quasiment sur du 180 là. 177. J'ai l'impression qu'on est parallèle. Peut-être qu'un petit 100 de toute façon. On est peut-être sur un axe nord-sud là. Oui, il y a quelque chose près. Hein. Ouais. Bon, tu vois, je suis en bout de, l'aile là. Ouais. Donc ça me paraît bien. 250, 189. Ouais, tu vois, je suis sur 180, donc en gros, je vais chercher le nord. En étant sur la partie gauche, donc je vais viser la route sur ma gauche, en fait. Alors, j'ai toujours mon cran de volet, j'ai la pompe et la réchauffe. Je m'éloigne. Donc là, c'est un atterrissage de précision. Il n'y a pas de vent. J'ai la piste là-bas. On n'est pas très haut, j'ai pas tardé à virer. De toute façon, il vaut mieux s'éloigner pour chercher un bon axe. Et être pas trop près, oui. Sinon on se fait Oui, et puis ça te permet de bien préparer ton approche. C'est ça, voilà. Alors attention au risque de perdre de vue le terrain. Ouais, j'ai la maison là, il y a une belle maison. Voilà, donc avoir un bon repère, pas se faire éblouir par le soleil, il y a plein de choses. Hein. Voilà. Ouais. Donc là je l'ai bien, on est sur l'éloignement, j'ai pas tardé à virer. Ben, ça me paraît bien. Allez, donc alors, on est quand sur... tu construis ton tour de piste, hein, tu fais un rectangle standard, donc ouais. Avec en théorie tu passes en base quand tu vois le seuil de piste entre guillemets sous 60 degrés quoi. Ouais. L'appui standard. Donc là on est sur 100, on est sur une étape. Là, on est sur, la base. 200 tours, 1200 pieds, pardon. Donc je vois l'espèce d'encoche que ça fait dans la forêt qui me sert de point d'entrée de la piste. Hein. À 89, 1100 pieds. Ça paraît pas mal là. 89. Pas trop descendre encore. Voilà. Là, je cherche mon axe sur être parallèle à la route, tout en visant le bazar, là. Okay. Le cran de volet, la pompe, la réchauffe. 77 nœuds. Voilà, j'ai l'axe de piste, là, sur la gauche. Nœuds. Ok, je suis en finale, 70 nœuds. Voilà, l'axe matérialisé par les sillons, on les voit très bien. Donc là, on va dire, j'ai un point d'aboutissement qui est juste au-dessus d'eux, pour percuter. Enfin, pour aller viser derrière. Pas que okay. Je descende trop, voilà, 65 ouais. Nœuds, c'est bien. Pas moins. 67, hein, je m'enfonce un peu. Hein. On bulle un poil. Ah, c'est dommage de ne pas y aller jusqu'au bout. Hein. Alors garde un peu de marge par rapport aux arbres, fais un petit palier, remets de la puissance. Hein, voilà. Voilà, je dis qu'on sera quasi vertical à ce moment-là. Voilà. 65 nœuds. Voilà, bon là on est sûr de se poser, on a la distance. Bien entendu, tu as une ligne électrique encore au bout, ouais, tu as des actions chez EDF toi. Ouais. Voilà, okay. Allez, bon, on sait que là on peut se poser. Allez, c'est remise de gaz. Là. 70 nœuds. Voilà. Doucement, un cran de volet et vers 70 nœuds. Ah ouais, effectivement, ouais. Oh bah ça avait l'air d'être dur en dessous. Hein. Ouais. Allez, vers 70 nœuds pour. Alors tu vois, ces lignes électriques là, c'est pénible hein, parce que à chaque fois ça te ferme une porte. Ouais. Alors que faut être à peu près sûr de son approche, ne pas faire une remise de gaz au dernier moment, sauf si évidemment tu as de la longueur, ça te permet de le faire. Mais... Elles sont, c'est irritant, ces petites lignes là qu'il y a partout. Ouais.
En même temps, devant on a des îles, elles existent. On va ouvrir à gauche vers la forêt. Oui, tout à fait. Alors on est à 700 pieds, pas tout à fait encore assez haut, 800 pieds, voilà. J'ai pas regardé, mais on doit être à... On n'est pas à 500 pieds là. Bon, on est à peu près à 500 pieds sol là. Ça y est? Oui, d'accord. Alors, plus de volets, plus de pompe. 70 nœuds, je vais faire 82 même. Voilà. Donc on doit avoir Coulommiers quelque part par là. Oui, c'est ça, sur le plateau, là juste derrière. Ah oui. Pas très loin. Bah, il me semble que je le... Bah, il est derrière à droite, là, 45 degrés à droite. C'est ça. Alors, pas plus de 1500 pieds. Pas plus de 1500 pieds. Et donc, ouais, il était... bah, il est 14. Ouais, c'est bon. Ouais. On s'était posé dans les 10 minutes. Ouais. Là-bas, on a les bâtiments de Fontenay avant, on a le... les autres bâtiments là-bas. Ok, allez, montre-moi, passe à 1300 pieds. Quoi? T'as dit quoi? Montre-moi ce qui se passe à 1300 pieds. Alors, voilà, je mets la pompe, je vérifie, ça c'est ouvert, c'est ouvert. J'ai mis la réchauffe, et je cherche un terrain rapidement. C'est pas évident. Il a derrière, juste en dessous, il y en a dans l'axe. Ah ouais, il y a juste ce qu'il faut. Ça, là. Voilà, voilà. Bon, après, t'as l'autre devant aussi, on y va, mais celui-là est très bien. Ouais, je me suis posé la question là-bas, voilà. J'ai dit peut-être qu'on n'est pas assez haut. Bon, voilà, 73 nœuds, c'est un petit peu plus rempli quand même. Donc, le Québec, il me semble, l'Europe annoncé, croise sur votre avant-droit plus bas, cette piste. Ok, voilà, on est assez près de la piste. On va chercher le planer. Voilà. On est proche. Ok. Et là, tu vois que pour placer l'alerte, etc., c'est plus la même. Hein. Là, c'est plus tout à fait vrai. Donc, tu fais ce que tu peux, mais surtout, tu pilotes ton avion. Voilà. Le champ, il est là. C'est effectivement celui-là qu'il fallait prendre. Voilà, je vais mettre sur l'arrondi de la route. Voilà, voilà. Voilà. 73 nœuds. Voilà. Du moment que tu tiens ta vitesse et que tu tiens ta trajectoire, l'essentiel, il est. Après, bah, l'alerte, c'est si on fait ce qu'on peut. Là, je vais mettre un premier cran de volée. Ouais. Bah, il faut tourner. Regarde, il est super long. Donc. D'accord, je veux vraiment entrer là sur la partie. Ouais. 73 nœuds. Voilà, tiens, je vois l'axe là comme ça. Allez. Hop là. Voilà. 70 nœuds. Ok, on va faire une remise de gaz très progressive. D'accord. Voilà, dès maintenant. Tout doucement les gaz. Tout doucement les gaz. Vas-y. Allez, c'est parti. 1500, 1800, 2000 tours. Voilà. J'ouvre légèrement à droite pour ne pas taper la ferme qui est là. Ouais. Voilà. On est sous la ligne de crête là. Ah oui, c'est la première fois. Voilà. J'enlève gentiment un cran de volée, gentiment, la vitesse stabilisée. J'augmente la puissance, toute la puissance. Volée, non, c'est encore des volets, c'est normal. La pompe, on cherche 80 nœuds. Vous avez touché de 26 dur. Voilà, donc effectivement, c'est là qu'il fallait venir se poser. T'as vu là d'être dans une montée initiale et de voir le sol qui est encore au-dessus de toi. Voilà. Bah celui-là, t'étais sûr de l'avoir. L'autre là-bas, c'est très probablement, mais avec zéro possibilité d'adaptation. Ouais. Hein, puisque ouais, c'est tout droit, sous un alpha. Ouais. Mmh. Ouais, ça me paraissait un peu changeant, quoi. Ouais, tu peux tourner. Alors que celui-là, ça te permettait, t'avais une marge d'altitude qui te permettait de consommer un peu, de travailler ta trajectoire. De toute façon, il vaut mieux le chercher sous les ailes, à la proximité de sous les ailes qu'au loin. Voilà. On est 800 pieds, non, peut-être pas encore. Bah, ici, tu comptes le sol à 400 pieds, hein, donc voilà. À 400 pieds oh, ah, oui, oui. Ok, plus de volets, plus de pompe, 80 nœuds, pas de réchauffe. Ok, et on fait 247, donc on va vers l'ouest. Impec, retour l'œil. Retour l'œil. Bon. Bon, les bâtiments sont là-bas. Et une route là-bas. Enfin, c'est celle qui mène à Euro. À Euro, voilà. Dave le compte. Ouais. Alors le père Haussmann, lui, tu vois, il me faisait faire des exercices là-dessus, là, sur ces... Ouais. Ces trous dans la forêt, là. D'accord. Voilà. Ah oui. Voilà. Bah, il te dit quand il y a que ça, hein. Donc tu vas là-dedans. Démerde-toi. Donc tu sais que tu vas morfler, hein, parce qu'il reste des arbres, il y a des obstacles, ouais, machin. Tu vas te vautrer, hein. Tu vas pas faire un atterrissage, mais. C'est quand même mieux que la forêt. Ouais, c'est intéressant. On par la droite dès maintenant pour l'avant arrière, vous pouvez, mais à votre compte.
incendie à droite. Bon. Alors, on va écouter la 10. Ouais. À 8h ICC, piste en service 26, attention à Escavière, porte 230 degrés 3 nœuds, visibilité de l'air à 5 km, température unité 8, QNH unité 028, couche du soleil 18h15, 8 ICC, informé le niveau et contact, vous avez reçu l'information, bravo, merci. Voilà. 122-12. T'as vu, il y a un maniaque du... T'as vu le champ là? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, effectivement, c'est intéressant ça. Maniaque du labyrinthe. Ouais. Ouais, j'allais dire c'est pas bien haut, mais finalement c'est peut-être pas au cœur d'or. Si tu en écoutes, hein, Robin, a priori en retour dans vos 1h pour 3 nautiques à 12 centièmes, un contact. Ça doit être tout ça, non, ouais. Venu tour du Fox Novembre Alpha, de retour 1200 pieds avec l'information, bravo. Bonjour, Fox Novembre Alpha, transpondeur 3730, rappelé écho, trafic Technam, 1h, 2 nautiques, 1500 pieds, vertical autoroute vers l'est. 3730 affiché, reçu pour l'information du Technam, on le cherche. Fox Novembre, deux fois ouais, numéro 1, rappelé final, piste ouais. 26 dur. Rappel. Bon, faut pas survoler le machin là, d'accord. Bonne tour, visuel sur le Technam, nous devons. Merci Fox, on voit le phare rappelé écho avec un P28 qui passe écho 1500 pieds sans s'opposer. On voit le phare. On rappelle écho et on voit le phare du P28 sur son refa. Fox Tango Zulu, trafic Robin, 1h encore à 4 nautiques, 1200 pieds vers écho. Je n'ai pas encore visuel sur le trafic. Alors quelques petits exercices de tour de piste. Oui. Bon là la remise de gaz c'est fait, si tu veux on peut faire une PTE en faisant l'arrivée directe. Ouais. Ouais non. Bof. Ouais. Ou du basse hauteur. Des basse hauteur, ouais. Basse hauteur plutôt, ouais. Ouais. Ok, très bien. Oui la PTE on a fait l'autre, on l'a fait l'autre fois. Oscar Papa en vente arrière, donc 26 points touchés yeah. Herbe. Oscar Papa numéro 26, gazonné, rappelé final, Cessna, dernier virage dur. On l'avait vu sur le dernier virage, on rappelle la finale 26 gazonné. On le voyait, mais on le voit plus. C'est Tango Zulu, le Robin, midi, un nautique, 300 pieds bas. Je n'ai pas visuel sur le Robin, Fox Golf Fox Tango Zulu. Normal. On a reçu la visuelle sur vous, lui il va croiser sur votre avant-droit, plus bas. J'ai visuel sur le trafic Fox Golf Fox Tango Zulu et puis je suis en sortie pour quitter. Fox Tango Zulu, transpondeur 7000 quitté, bon vol. Transpondeur 7000, je quitte, à tout à l'heure Fox Golf Fox Tango Zulu. Ok. Fox Norme 2 fois piste 26 dur, autorisé toucher, vent 260 degrés 4 nœuds. Autorisé toucher 26 dur, Fox Norme 2 fois. A l'issue, on se présente un report vertical pour descendre au sud, exercice d'encadrement s'il vous plaît. Alors c'est face au sud pour débuter, Fox Norme 2 fois. Au sud, Norme 2 fois. Alors on a le terrain. Ah ben on est écho là, je me disais mais il est où? Le détour de Fox Novembre Alpha, nous passons écho. Fox Novembre Alpha, exécuteur project, piste 26 dur, numéro 1, rappel final. Approche direct, rappel final, le 26 dur, Fox Novembre Alpha. Alors je mets la pompe. Voilà, je cherche la vitesse, donc là je suis arrivé rapide pour une fois, que j'aime pas forcément faire. Les lignes de tension sont là, on est à 1200 pieds encore, donc on va descendre, 80 nœuds. Hop, un premier cran de volée, j'ai la pompe, j'ai la réchauffe, voilà, j'ai les volées. De toute façon, là, le secret, ça, c'est de tout réduire hein, pour ralentir, sinon de toute manière, oui, voilà. Ok, on est 1000 pieds, on n'est pas dans l'axe, par contre, on sera presque sur la... Je veux faire un basse hauteur d'emblée après le touch and go, hein. Ouais, ok. Un ou plusieurs basse hauteur? Bon, deux. D'accord. Je vais faire la radio, je vais faire les pompes. D'accord. Passe-passe au plan. Ok, 900 pieds, on est bien. Voilà. D'ailleurs, l'autre fois, il y a un truc qui m'a surpris, c'est que quand on était en auto-info, il n'y avait pas les papiers. Oui, il n'y a pas. Voilà, oui, c'est ça. C'est le contrôleur qui l'allume quand il n'est pas là. C'est ce que je me suis dit, ça m'a perturbé un peu, mais pas longtemps.
Ok, donc Fox Oscar Papa, piste 26 gazonnée, autorisé de toucher vent de 150 degrés 3. On est un peu en dessous. Autorisé de toucher piste 26 gazonnée, Fox Oscar Papa. Fox Tango Zulu, toujours à l'écoute de Logne, un trafic sans contact, midi, un nautique 300 pieds bas sans s'opposer. Fox Novembre Alpha, final pour de toucher sur la 26 dur. Fox Novembre Alpha, autorisé de toucher piste 26 dur, vent 260 degrés 3. Autorisé de toucher 26 dur, Fox Novembre Alpha. Fox Novembre Alpha, on fera faire quelques basses hauteurs à l'issue. Rappel, dernier virage de chaque évolution basse hauteur, Fox Novembre Alpha. Rappel, dernier virage de chaque évolution basse hauteur, Fox Novembre Alpha. Parfait, hop. Et on a quand même 3 à faire partir là. Le détour du Fox Mike de Québec, rebonjour. Fox Mike Québec, Logne et Tour, rebonjour. Transpondeur 37, 31, je vous écoute. Fox Mike Québec, transpondeur 37, 31, de retour de vol local. Ça y est, pour récupérer ce point. Fox Mike Québec, rappelez Echo. Rappelez Echo, Fox Mike Québec. Alors la biroute, elle est avant quasi de face. Hein. 66 nœuds. Alors. Toujours de face. À peine 10 nœuds. Approche la verticale pour débuter dans 30 secondes, nombre de fois. Fox nombre de fois, débuter à convenance, rappelez traverseuil sud, 26 gazonné, ça sera pour l'herbe, un Robin tourne en basse hauteur, ça va dur. Aussi pour l'herbe, rappel à traverseuil sud en descente, Fox nombre de fois. Tout est réduit. 5 nœuds. Allons plancher, ok. 54 nœuds. On passe la francilienne, virage à droite, 700 pieds en palier, on garde un cran de volet. Un cran de volet, la pompe. Montée initiale, 70, après la francilienne, voilà, 70. Et... Ok, 3, 2, 1, maintenant. 700 voilà. Pieds, on est à 500. Fox, nombre de fois autorisé, touché, piste 26, gazonné, vent 220 degrés, 3 degrés. On est touché 26 gazonnés en ce moment. Maintiens ton inclinaison constante. Alors le jaune il est là-bas. Fox Romain uniforme la tour, bonjour, je vous prépare départ immédiat avec un Robin en basse hauteur. Prêt pour un départ immédiat, Fox Romain uniforme. Fox Romain uniforme, alignez-vous, piste 26 du autorisé décollage immédiat avant 220 degrés, 3 nœuds. 2450, allez au retour. Fox Oscar Papa numéro 1 dans le publié, 26 gazonnés, rappelez final. Numéro 1, rappel à la finale piste 26 gazonnés, Oscar Papa. Alors j'ai la pompe, j'ai toujours mon cran de volet. Novembre Alpha, trafic 172 en dernier virage en cadrement sud sur la gazonnée. Visuel, Novembre Alpha. Je le vois aussi, je me demande ce que c'était. 700 pieds, 70 nœuds. Ok, visuel sur Novembre Alpha, piste 26 dur, autorisé touché en calme. Autorisé touché sur la 26 sur Novembre Alpha. Alors, hop. Allez, c'est parti. Joli. Passant 19. Québec, on arrive vertical Echo, ce serait pour un complet 26 gazonnés. Reçu Mike, Québec, exécute à project piste 26 gazonné numéro 2 derrière un Tectam fin devant arrière. Il va falloir essayer de réguler un petit peu, il est en tour de piste le Tectam rappelé final 26 gazonné. Fox Mike Québec numéro 2 sur les infos direct 26 gazonné. Au pied on peut faire dès maintenant une verticale terrain, ça pose pas de problème. Bon, je pense que ça doit normalement passer, hein. Le Tecnam vire en base là, vous avez visuel? On n'a pas encore visuel sur le Tecnam, Fox Mike Québec. Reçu, poursuivez, au pire vous si c'est trop court vous remettrez les gaz, mais il est en milieu de base. C'est noté, Fox Mike Québec, on poursuit l'approche.
Fox Hotel Papa à la tour. Bonjour, bon, 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 piste 26 dur autorisé décollage, vent 220 degrés. On fait une piste 26 dur autorisé décollage, Fox Hotel Papa, bonjour mon poulet. Non, allez mon JP. Fox, Romain Uniforme, si vous souhaitez passer par la verticale pour Melun, c'est approuvé. Approuvé, je passe par la verticale pour Melun, Fox Uniforme. Donc c'est novembre deux fois, c'est pour la même chose. Affirme, novembre deux fois. Après avant de débuter. Ensuite, novembre deux fois. Romain Uniforme, attention, hein, vous avez un peu élargi la fin de traverser le début de vent arrière, évitez de trop survoler les habitations, il y a pas mal de plaintes en ce moment. Bien reçu, attention, Fox Uniforme. Oscar Papa autorisé toucher 26 gazonné, vent 210 degrés 80. Autorisé toucher piste 26 gazonné, Fox Oscar Papa. On est parti pour une remise de gaz. Avec un trafic Robin en fin de vent arrière basse hauteur pour la dure. C'est visé sur trafic, Fox Oscar Papa. Hôtel Papa, si possible, un décollage rapide, un Robin arrive en fin de basse hauteur. On est parti, Hôtel Papa. Fox Normal Alpha, rappelé courte finale 26 dur, trafic Technam, milieu de finale gazonné, touché. Je vais aller avec le Technam et on rappelle en courte Normal Alpha. Un bon travail de contrôleur, ça. Fox Normal Alpha, autorisé touché. Piste 26 dur, vent 230 degrés 5 2. Autorisé au toucher, même exercice avant. C'est avec un cran seulement. Si tu veux. Donc là, j'ai tout réduit, je suis 70 nœuds. Alors effectivement, on voit la différence. Donc là, je vais chercher les 67. Non, c'est bon, on est revenu normal. Fox Normal Uniforme, transpondeur 7000, vous pouvez quitter, bon vol. Transpondeur 7000, je quitte la fréquence, Fox Uniforme. Fox nombre de fois, débuté, rappelé, traverse sud 26, gazonné, toujours un Robin en basse hauteur sur la dure. Bien sûr, un pèlerin traverse sud gazonné, Fox nombre de fois. Fox Mike Québec, piste 26 gazonné, autorisé atterrissage, vent 230 degrés 5-2. Autorisé atterrissage, 26 gazonné, Fox Mike Québec. Puis là, c'est le dernier ou l'avant-dernier? Bonjour, alignez-vous, piste 26 dur, autorisé décollage, vent 230 degrés 5-2. C'est celui-là, c'est un dernier, ouais. Autorisé, je m'aligne et ouais, autorisé décollage 26 dur, bonjour, Oscar Pierre. Bon, on pourrait demander la gazonnée ou pas? Pour le dernier, ouais. Hôtel Papa, ce serait bien si quelqu'un. Approuvé, Hôtel Papa, rappelé pour quitter. Voilà, j'ai 20 degrés. Pour quitter, Hôtel Papa. Alpha, toujours un 172 en bientôt dernier virage encadrement sud pour la gazonnée. Visuel sur le 172, normal. Ce novembre deux fois, autorisé, touché, 26 gazonné, vent 240 degrés 5-2, trafic Robin, fin de vent arrière basse hauteur pour la dure. Ensuite, autorisé, touché, même exercice, non, c'est ça. Rappel avant de débuter. Fox novembre alpha, autorisé, touché, 26 dur, vent 240 degrés 5-2. Autorisé au toucher 26 dur, Fox Normal Alpha, ça sera un petit dernier à la suite et avec un final sur l'herbe si possible. C'est noté, dernier basse hauteur incomplet herbe. Le cran de volée, la pompe, la réchauffe. L'avion devant. 73 nœuds, bas, nous. Ah, il me dit que je suis trop haut encore là. Ouais, mais. Alors, tu sais, t'es dans une fenêtre très étroite là. Ouais. Hein, donc, alors, je vais essayer de toucher sur le 26. Voilà, on va dépasser. Ah, c'était le petit chapeau numéro 1. Le petit chouïa de gaz qui fait qu'on dépasse. Ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Numéro 1, assurer le truc, mais. Ouais. Une puissance. Fox Hotel Papa, on sortit pour quitter. Hôtel Papa 7000, bon vol et à tout à l'heure. 7000, merci, à tout à l'heure. Bon, ça fait le troisième là, c'est bien. 79. 62 fois, alors j'ai deux Technam là devant vous dans le circuit qui tourne sur la gazonnée. Donc si ça vous convient, je vous propose à la verticale de faire un 53 pour vous représenter face au nord et de débuter après l'encadrement face au nord pour la dure.
C'est un problème, nombre de fois, on fera ça. Rappelez face au nord pour débuter, dans ce cas, merci. On débutera face au nord, nombre de fois. Alors 20 degrés. Et là-bas. Passement qu'il est jaune, hein. Ouais. Alors, de là on va sur l'herbe. Ouais. Tu penseras à pas te descendre tout de suite. Ouais. Pour pas trop trouver pas sur le plan. Voilà. Et puis comme on va toucher. Ça se passe bien à l'entrée de la piste. Ouais. Ce que j'aimerais, c'est que tu montes. Oscar Sierra, numéro 2. Tu tiens un petit peu au-dessus de l'herbe. Ah, ouais, avec un petit peu de gaz pour aller te poser un peu plus loin à l'endroit où tu as envie. Tu vois, d'accord. Genre à mi-piste ou un petit peu plus loin. D'accord. Voilà. Alors, on est 700 pieds, 75 nœuds. Voilà. Novembre Alpha, autorisé atterrissage 26 gazonné, vent dans l'axe 3 nœuds. Autorisé atterrissage 26 gazonné, Novembre Alpha. Fox Oscar Sierra au milieu de vent arrière 1200 pieds pour un toucher sur la 26 gazonnée. Fox Oscar Sierra numéro 2, trafic précédent Tecnam Vavira en base, rappelé final 26 gazonnée. Je rappelle final pour 26 gazonnée reçu pour le Tecnam. Fox Oscar Sierra. Bah, tu vises tes chevrons et puis après au chevron, petit filet de gaz, tu obtiens l'avion d'accord. À 50 cm du sol pour aller se poser un petit peu plus loin. D'accord. Donc pas en excès de vitesse, hein, vraiment à la vitesse normale et à 65 nœuds, voilà, laisse-toi descendre, voilà, enlève de la puissance. Bon, j'en aurais pas remis. Voilà. Alors, réduis, laisse descendre. Tu réduis, tu laisses descendre et quand tu arrives maintenant là. Voilà, là tu génères ton arrondi, tu mets un petit filet de gaz et tu le tiens. Un filet de gaz. Et tu le tiens, et tu le tiens. Ouais. Pas assez de gaz, pas. Voilà, tu vois, il fallait une chouille de gaz de plus. Ouais. Début de 280, devant deux fois. Voilà. Reçu à l'issue, début de ta convenance, rappelé traverseuil nord, du coup, pour la 26 dure. Donc on descend au nord, on rappelle traverseuil dur, on descend pour la 26. C'est Oscar Papa en finale 26. Alors d'après toi, pourquoi la verrière s'est ouverte là, à l'atterrissage? Ah, parce qu'elle était toujours ouverte depuis les exercices. Voilà. Finalement, ça te fait une petite température qui est pas désagréable. Oui. C'est vrai. Alors, on enlève la pompe, on met ça. Voilà. Donc 7000, plus de pompe, plus de réchauffe. Plus de volée. Le sol de Fox Novembre Alpha 26 gazonné dégagé, demande roulage au parking sali. Fox Novembre Alpha par la gauche, roulez, rappelez Whisky 2. Par la gauche, je roule, je rappelle Whisky 2, Fox Novembre Alpha. Whisky 2, j'imagine que c'est ce point qui est juste là. Oui, c'est le carrefour, t'as un panneau. Ouais. Je cherche, mais ah, si, il est à droite là, non. Panneau rouge. Bon voilà, alors moi j'ai déjà fait des volantiers avec la verrière déverrouillée, ouais. Pour voir ce que ça donnait, ça donne strictement rien, donc on peut ne pas s'en apercevoir. Ouais. On a déverrouillé ou mal verrouillé la verrière. Voilà, donc tu te rappelleras. Ouais. Le sol, le Fox Novembre Alpha, Whisky 2. Vous pouvez croiser, quitte au parking, Fox Novembre Alpha, bonne journée. Je crois, je quitte au parking. Bonne fin de journée également, au revoir, merci. Mais n'empêche, ça fait une petite température qui est vraiment agréable, tu vois. Maintenant que j'y repense, c'est vraiment bien, quoi. Alors le système est assez bien fait, puisque t'as le deuxième cran. Le crochet reste dedans. Donc ouais. Il se passe pas grand-chose, même à vitesse de croisière, il se passe rien. Ah, c'était une démonstration par l'exemple. Voilà. Merci, monsieur Pierre. Surtout que tu vois, à mon nez, je pensais qu'on allait sortir, donc je pensais l'enlever. Ça n'a pas été le cas. Et là, effectivement, il fait un peu chaud. Alors que tout à l'heure, ça allait bien, finalement. Bon, les basses hauteurs, quand même.
est toujours là ce bimoteur. Ouais. À croire qu'il vole jamais. Bah il sert de parking pas cher je pense. Ouais. Fox Victor Tango, on est prêt au point d'attente 26 derrière Victor Novembre. Ça doit être moins cher ici. Victor Tango, maintenant avant point d'attente, veillez la tour 118 décimal 6. Bon bah tiens, on veille 118.6 Fox Victor Tango. Bye bye à la radio. Pan Park, bye bye radio. Et ici, tiens d'ailleurs, hop là.